avait un avantage de balle. Et oui, c'est Sombert qui vient de relancer encore sur Kamana. Et interception de Brose qui décidément fait un très très bon match en défense. La rentrée tout de suite sur Néné. Le centre avec la reprise d'Umberto. Et un goal! Un goal inscrit là par Seou. Nous en sommes à la 31e minute de ce match. Et c'est Seou qui vient de reprendre cette balle qui avait été plus ou moins amortie par Umberto. Un but à rien pour Benfica. Et disons-le, c'est assez catastrophique pour Anderlecht. Mais quel volet là, il n'y avait rien à faire. Ça va donner encore plus de cran et d'ardeur à cette équipe de Benfica. Nous voyons donc cette phase. Olsen est arrivé un rien trop tard et Seou est parvenu à s'infiltrer dans la brèche. Il avait été ouverte là, alors que nous retrouvons maintenant Cook qui vient de lancer en avant, en direction d'Umberto. Avec un Amberg encore, attaqué par Bros. Et Cook qui dégage. Ah, je vous assure qu'on va avoir l'abordage pour l'instant. Lozano avec Cheou. Pour Vandenberg, il n'y a pas d'hors-jeu. Bonne ouverture pour Overcotteren, c'est bien fait aussi ça. Et un bon centre pour Lozano et c'est goal! Un remarquable but inscrit là sur ce centre de Verkotteren. Et à la 38e minute, Lozano vient de ramener l'égalité. Et ça, c'est assez catastrophique évidemment pour Benfica. Donc un but partout par Lozano, ce qui signifie que Benfica, pour s'imposer, devrait encore marquer maintenant deux buts. Et surtout ne plus en concéder. Or, je suis archi convaincu que comme le Sporting est en train de jouer, il est capable de marquer sur ses contres. Cette défense de Benfica est à prendre. Voilà cet excellent centre qui a surmonté toute la défense. Et alors il y a la reprise de Lozano. Remarquable, je dois dire que ça a jeté quand même un petit coup de froid ici dans ce stade de la Louse. Et en tout cas, pour Benfica, c'est un coup terrible, alors que, bien entendu, dans le clan de l'Étoile, on a le sourire, on a raison de l'être. Donc maintenant, une chose est certaine, il n'y aura plus d'extra time. Quoi qu'il arrive.